Walk alone. Bon, que pas les Bébérac, ça suffit la plaisanterie. On se retrouve aujourd'hui. Débrief Liverpool, Arsenal. Unai Emery face à Jürgen Cigarette, Jürgen Klopp, petite boutade. Avant tout, si vous voulez plus de championnat, plus de autre que l'OL, et autre que et du sport hein, comme le rugby, ça sortira en même temps. Hein. Allez la voir la vidéo si vous êtes fan de rugby. Ou du cyclisme, tout ce que vous voulez, sur les vidéos autres que l'OL, vous mettez un maximum de likes ou des jeux vidéo et tout ça, s'il vous plaît, abonnez-vous, un maximum de soutien, je voudrais être journaliste sportif plus tard, donc aidez-moi, ça me ferait plaisir, ça m'aiderait de mettre, de liker les vidéos, de mettre des commentaires, de vous abonner, bref, allez, tout de suite, on regarde ces compositions d'équipe de ce magnifique match pour Liverpool, match de merde pour Arsenal, on verra ça, pourquoi tout de suite. Autant utiliser la nouvelle technologie pour prendre les notes et pour voir les compos. Donc, Alisson dans les cages, Alexander Arnold, Lovren, Van Dijk, parfois j'ai jamais su prononcer. Robertson, Wijnaldum, Fabinho, Shaqiri, Firmino et Mané Salah pour nos amis des Reds. Et pour nos amis d'Arsenal, c'est Leno, Socrates, Mustafi, Lichtsteiner, Kolasinac, Xhaka, Torreira, Maitland-Lee, Deinde, là, bref, un petit jeune, là, Ramsey, Iwobi, Maitland, Nils, voilà. Et Aubameyang. Donc on va voir à la 11e minute, ça commence déjà très très fort avec de la pression, ça va d'un côté comme de l'autre, avec Arsenal sur une erreur de la défense, une mauvaise relance de Dejan Lovren, va en profiter, dépasse dans la défense, Iwobi qui centre à ras de terre pour Maitland-Niles qui lui plaît des pieds, pousse le ballon au fond des filets, ce match est lancé, ensuite Arsenal ouvre le score et va faire un très bon match, mais ce n'y est pas du tout, ça passe quelques minutes plus tard, 3 minutes très exactement plus tard, il va avoir Firmino pour Salah qui file au but. Salah avec des comptes favorables, les deux défenseurs s'en mêlent et Firmino qui suit bien, qui pousse le ballon des filets, ça fait un but partout. Le Firmino show commence. Toulou toulou. Bref, le Firmino show commence avec direct juste après. Hein, un nouveau but avec Mané qui récupère, qui lance Firmino. La technicité du Brésilien, du milieu offensif international. Et qui frappe, qui ajuste le gardien Bert Leno. Ça fait 2 à 0. On va avoir un penalty à la 32e minute. Avant ce penalty, Robertson qui lance Salah dans la surface. Avec une super transversale centre pour Mané. Avec Robertson qui d'une transversale lance Momo Salah, le président égyptien, il presidente, comment on dirait en italien, bref, voilà. Et le centre de Salah à terre pour Mané qui marque un but, Mané qui est buteur ce soir. Passe décisif de Mohamed Salah avec un penalty juste avant la pause. Donc ça aurait pas trop choqué beaucoup de personnes s'il n'aurait pas été sifflé. Ça peut siffler, ça peut ne pas siffler. C'est à l'appréciation de l'arbitre, c'est à votre appréciation. Comme vous le pensez, mes chers amis. Ça va être la pause. 4 buts 1 pour... 4 buts 1. 3 buts 1 pour nos amis de Liverpool. Ils ont fait le plus 1 à la pause. On se dit que Arsenal pourrait se réveiller comme on les a vus au début. Mais ça va être chaud. Avec à la 63e minute... 4-1, pardon. Qu'est-ce que je dis comme connerie, 4-1. 74e minute. Encore José s'en mêle, bref. Je suis fatigué. 63e minute. Fabinho qui va être trouvé par Salah après la technicité de l'Égyptien. La frappe, elle va passer et elle va être arrêtée par Bernardo qui repousse ce ballon au corner. Sur ce corner, on va avoir un fait de jeu. Un deuxième penalty. Et oui, pour nos amis des Wes en... Au début, je me suis dit, sur le premier, pourquoi Salah laisse pas Firmino tirer pour le coup du chapeau pour avoir le triplé. Mais là, c'est lui qui va s'en charger. Il va allumer la cage, il va prendre un contre-pied parfaitement Bernardo. Et ça va faire 5 à 1. Là, c'est fini. Le match est complètement plié à la 65e minute. Et puis, on va pas avoir grand-chose, des petites frappes, mais pas trop. Ramsey, par exemple. Enfin, voilà. Un fait de jeu qui aurait pu être sifflé un pénalty sur Alexandre Lacazette, mais rien qui aurait changé au fil du match. Ça peut siffler comme ça, ne peut pas siffler. Moi, je suis pas dans la vitesse. Quand j'ai vu ça sur le direct, je me suis dit c'est pénalty. Mais après, quand on revoit bien le ralenti, notre ami, notre cher ancien Lyonnais, Alexandre Lacazette, en rajoute un peu. Bref,
88e minute, une frappe d'Henderson qui va passer juste à côté, elle était assez forte. Mais on en restera là. L'arbitre a laissé 3 minutes de temps supplémentaire, on se demande pourquoi. Pour rien du tout. Bref, on passe tout de suite au flop. Bref. Étude José Alzheimer et oublie les tops. Donc, oui, le premier top, on a décidé de mettre notre ami Roberto Firmino au temps d'un triplé. Techniquement, c'est parfait. Enfin, je préfère en disque qu'en attaque en pointe pour avoir vu beaucoup de matchs de ce joueur. C'est mon propre avis. Voilà, c'est pas un vrai attaque en pointe, hein, c'est un 9,5. Vous le savez très bien, si vous êtes amoureux de ce sport du football, un triplé, comme je l'ai dit, il était partout techniquement sur le flanc de l'attaque. Il était imbougeable ce soir, il était indétrônable. C'est normal qu'il marque ce triplé et on voit que c'est un très très grand joueur et qui mériterait de gagner des trophées. Trophée personnel ou trophée avec son équipe, voilà. Il a niqué, j'allais dire un gros mot, excusez-moi, il a enflammé en field, il a passé en revue toute la défense. Bref, voilà, Torreira, Mustafi, Socratis, ils ont rien vu. Ils ont vu passer une fusée technique et c'est tout. Et eux, ils se sont endormis. Bref, voilà. Allez, le deuxième flop tout de suite. Va te coucher, t'as dit encore flop alors que c'était top. Mince. Oh, je dis, comme je dis, j'ai l'Alzheimer. Bref, allez, le deuxième top. On va en mettre deux en même temps, ces deux joueurs défensifs. Il s'appelle le premier Andrew Robertson et l'ancien monégasque Fabio Henrique Tavares Fabinho. Ouais, je connais tout le nom en entier. Et à force de jouer à FIFA et de l'avoir dans FIFA, voilà, c'est ça, c'est l'année dernière, on connaît tout son prénom. À chaque fois de regarder les stats, ça s'affiche en haut. Bref, c'est pas le moment de parler ça. Alors, cela, défensivement, offensivement, c'est parfait, comme disait Jérôme Roten avec Luigi Collonge. Enfin, il n'y a pas besoin d'être bien costaud pour être un latéral gauche. Hein. Il est partout sur le flanc de l'attaque, il est bon défensivement. Enfin, voilà, c'est un monstre. Il fait partie des meilleurs latérales gauches au monde, si ce n'est le meilleur. Donc voilà, à force de parler des Alexandro, des Alex Telles, des Marcelo, il y a peut-être mieux à aller voir ailleurs, hein, comme Andrew Robertson ou un traité de chauvin encore, Fernand Mendy. Mais bon, bref, voilà. Et Fabinho. Je suis désolé, au début il n'avait pas sa place, je ne comprenais pas pourquoi il n'avait pas sa place. Jurgen Klopp, tu faisais quoi? Et ben, il a compris qu'il fallait jouer et je trouve que ce schéma tactique est très bon avec Shaqiri, Mané, Firmino et Salah. Salah en pointe, Firmino en 10 et pour l'attaque et les deux sentinelles. Hein, sentinelles, il y en a qu'une vraie qui s'appelle Fabinho. L'autre, c'est notre ami Wijnaldum qui est plus un 8 et même qui peut jouer au milieu offensif des fois. Bref. Voilà. Et la défense, bon, qui aurait pu éviter ce but, mais on va pas en revenir dessus. On passe tout de suite au flop. Cette fois, je me suis pas trompé. Pourquoi t'as mis vous? Le premier flop, c'est PAE, Pierre-Emerick Aubameyang. Aubameyang, comme diraient certains. Voilà, on le voit pas. Je sais pas s'il est fou. Il est où? On se demande. Il est caché, il joue à cache-cache. Il aurait mieux fallu mettre la casette d'entrée de jeu. En fin de match, il a quand même voulu un peu jouer, malgré que le match était terminé, enfin le score, il n'y aurait plus rien eu, voilà, c'était plié, mais Aubameyang, on le voit pas, il est invisible, je ne sais pas où il est, voilà, autant à Dortmund il était bon, à Arsenal c'est bien moyen, et c'était pas mal en début d'année, mais là, bref, voilà, on va tout de suite voir ce deuxième flop. La boule de cristal, elle a dit quoi le deuxième flop? C'est Granit Xhaka, ouais. Comme disent les commentateurs, je suis complètement d'accord avec eux. Ce mec est nul à chier. Voilà le seul mot que j'ai. Le mot à dire, excusez-moi pour ce mot pour grossier. Défensivement, il n'est pas là. Offensivement, bon, c'est pas un joueur qui doit jouer offensivement, mais voilà. C'est pareil. On se demande à quoi il sert en sentinelle. Il se fait passer techniquement. Il va à deux à l'heure. Il sait pas défendre. Il sait pas faire des interceptions. Rien du tout. Et en plus, on ne le voit pas beaucoup. Le pire, c'est ça. Voilà. À quoi ça sert? Il faudrait vite recruter chez Monsieur Unai Emery. Je te dis, hein, le faire passer à la porte là-bas, hein, et acheter, hein, une vraie sentinelle, parce que c'est même pas une vraie sentinelle. Et en plus, il est pas bon. Voilà. Alors toi, t'es à virer. Voilà. Je sais qu'en équipe nationale de Suisse, ils ont que toi. Mais si ils auraient mieux, ils te viraient. Ça aurait fait déjà pas mal de temps. Flop encore. C'est le third. Flop Ferd,
Bon, bref, in English à moitié. Donc, ça va être la défense de nos amis Gunnert avec Mustafi, Lichtsteiner et Socratis. Autant à Lyon, à Fernando Marsa qui était latéral gauche reconverti en défenseur central, ça marche bien. Mais un latéral droit qui s'appelle Stéphane Lichtsteiner, encore un Suisse, bizarrement. Excusez-moi, mes amis Suisses, si vous regardez la vidéo. Mais voilà, c'est pas bon, la défense. Alors, elle est lente. Et elle se concentre pas, je suis désolé, se fait passer en revue. Elles n'arrivent pas à faire des interceptions, à défendre et tout ça. On se demande à quoi elle sert cette défense. Voilà, autant acheter d'autres défenseurs. Ils ont acheté Papadopoulos Socratis qui était très bon l'année dernière à Dortmund, qui est là depuis quelques matchs pas superbe. Il y a eu un coup d'arrêt après, c'est je sais pas combien de victoires d'affilée. Toute compétition confondue, mais c'est tout. On s'endort, on s'en mêle. Bref, le caméraman arrête de t'endormir. Ouais, bon, bref, on va aller au lit, hein, c'est l'heure. Allez, on va se dire le mot de la fin tout de suite. Alors, les amis, mettez un maximum de dislikes. Non, je rigole, 2 likes. Voilà, abonnez-vous et commentez la vidéo. Et à la prochaine. Michel Pali, José est de retour. Salut. Ça y est, José a terminé, il dort. Bonne nuit, José. Faites beaux rêves. À demain. Ouh là là, qui s'y vient foutre là? Oh, mes abonnés, salut, bonne nuit. Moi, je vais dormir, je suis fatigué. Ronfle pas trop, José. Hein. Non, non. Allez, à demain. À demain.